Tout le monde, ça c'est la mise à jour. On est le 5 juillet 2023. Ça c'est la deuxième fois qu'on va voir le jardin. En deux semaines, on va voir comment ça a évolué. Allô? C'est vrai? Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Des lys. Là? Des lys. Ok. Comment tu penses que ça a grandi comment? La fois qu'on a vu qu'il y avait les fleurs? Il était pas vrai. Non, je pense que c'était juste des bulbes, ouais. Qu'est-ce qu'on a ici? De la fougère. Puis encore, ça a évolué. Et ça a commencé à. T'as des belles fleurs la dernière fois qu'on les a vues. C'est des belles Non, fleurs bleues. ça fait pas des fleurs, les autres fleurs. C'était celui-là ici. Ah, ok. Et là, ils ont comme terminé. Un pied de framboise. Est-ce que ça a commencé à produire maintenant? Ben, il y a des framboises en devenir. La dernière fois, c'est encore des bulbes. Hein? Non, c'était pas des bulbes, Non, c'est des. c'était des boutons de fleurs. Oh, excuse-moi. Ici, on a. Ça, c'est une plante rampante. Ah oui, tu en as parlé pour le mur, oui. Et puis la rose. Parce qu'ici, il n'y a rien qui pousse. Fait qu'en même temps, ça. La jaune, c'est pourquoi la jaune? C'est la flat. Oh, ok. Ça ici, c'est de la consoude. On avait-tu les petites affaires de fleurs là? Oui. Nice. Okay. Ça ici, c'est de la livèche. Pêche. Ok, ça ici? C'est un nom bien compliqué. Oh. Good. Ça ici, c'est un noisetier. Est-ce qu'il n'y a pas produit depuis combien de temps? Il n'y a pas produit parce que ça prend deux Oui, tu m'en as variétés parlé. différentes. Mâle et femelle. Nos magnifiques voisins. Ça ici, c'est un carseignan. Oui, ça n'a pas produit encore ça. Ça, c'est des Ben grosses oui, tomates quand non, même. les fleurs ont tombé. Ah, dommage. Ça ici, c'est un amélanchier. T'avais marqué le papier ici, là. On a le papier ici. Le coupable. Ça ici, ça pousse juste dans les en Louisiane, dans les marais. OK, puis ça Fait que faisait c'est. de belles fleurs, ça. Ben non, c'est un arbre. Ça a l'air de sapin, je sais pas pourquoi. Mais à l'automne, ça perd les épines, puis au printemps, ça pousse. Ça, c'est un hydrangé. Oui, ça pas beaucoup changé par exemple, ça. Ça, Les c'est un roues, j'en avais sirop. su. Hein? On n'avait pas de petites baies, on ne les avait pas. Ben oui. Non, ça, il n'y en avait pas. La boîte de compost. Oui. Ça, c'est un pain binot. Par exemple, qu'est-ce que ça fait? C'est Ça juste un arbre? fait des fleurs, mais ça fait de l'intimité. Ah, ok, good. C'est pas que les voisins regardent. Ça ici, c'est de l'asperge Wow! qu'elle mature, qu'elle est montée comme ça. On a la bonne rhubarbe. Ça ici, c'est comme un genre de charton, Ok. mais ça fait des belles boules bleues. Là, c'est pas Wow! encore, mais ils vont venir bleus. Puis la rhubarbe va être prête quand? Ben, j'en ai déjà sécueilli pas mal. Elle est bonne ou pas? Oui, ça dépend de qu'est-ce que tu fais avec. Les fleurs rouges? Oui, ça j'ai oublié le nom. Il n'y a pas de problème. Les fleurs blanches? En haut, à côté. C'est des bleuets. Oh, ça n'a pas produit ça encore. Ah oui, Non, mais des regarde. fleurs. Et ça, c'est le bleu avant d'être mûr, c'est blanc? Wow, je ne sais même pas. Il y Là, en a un tu là vois, ça qui c'est. y en a un qui commence à vouloir être bleu là. Regarde, t'en as ici. Ah, regarde, montre-moi les comme ça. Et tabarnouche. Je pense que je peux faire le bleu, hein? Mais regarde, comment il y en a. Ah oui, c'est bon ça. D'autres rhubarbes. Lui, ça, c'est un plant de tomate miniature. Oui. Hey, ça a produit en maudit, ça, Carigas. Tabarnouche. Des belles fleurs. Pourquoi tu caches les belles fleurs jaunes en dessous? Non, ça, c'est pour éloigner les certains insectes. Comme? Les limaces. Ça, Escargot. oui. Parce que ça a une odeur très forte. Je pensais que c'était pas l'odeur. Encore d'autres plantes de tomates. OK. Chacune une variété différente. T'as-tu senti que ça commence? Ça ici, c'est de la menthe. Ouh. Pourquoi c'est pas un bon thé avec ça? Comment? Pourquoi c'est pas un bon thé avec ça? Je les ai rendus. Est-ce que tu es fan de thé à la menthe? Non. Non? Voilà, tu veux faire ça ici en premier? Fait que ça, c'est un autre plein de tomates. Oui. Ça, Illuminé, c'est comme c'était ta fleur pour les limaces. Oui. Good. Fait que les deux dans le même cercle. Les queues du persil ici. Oh!
Le persil, il va être mûr bientôt, hein? Le persil, ça donne un goût à la tomate, un bon Oui. goût à la tomate. Faire des sauces avec ça. Pourquoi tu fais pas des sauces tomates, papa? Ah, mais ça en prend, là. Puis il y a des variétés de tomates qui sont plus pour faire de la sauce. Ouais. Ça, c'est un mini, mini, mini plat de tomates. Ouais, faire un bonsaï. Des fraises. Ouh. Ouais, les fraises, c'est pas mieux que je donnais au Ouais, visiteur. ouais. Ça ici, c'est un plat de tomates que j'ai mis dans un pot, mais j'ai mis des patates aussi. Ok, good. Avec ces fleurs-là, c'est des fleurs de. Les patates, c'est pas quelque chose qui vont consommer tous les minéraux de la terre? Non, ben, je vais être Pierre. Non, mais ben, Hey, la boîte, elle a grandi à maudit. Le reste, pas vraiment, mais la boîte, ouais. ça ici, c'est un hibiscus. Good. Ça, c'est quoi, ça, ce plant-là, qui est individuel? Là, c'est un érable rouge au printemps, les feuilles sont toutes rouges. Le printemps est pas mal fini, hein? Ça ici, c'est une glycine que j'ai coupée l'an passé. OK. Là, il est en train de rediger. Parce qu'avant, mon père, il avait des belles tiges, Des grappes de fleurs bleues qui sentaient très bon. Tu avais des belles tiges sur les tiges de métal. Là, depuis, là, qu'est-ce qui est arrivé? Bon, quand j'ai peinturé le balcon. Des enlèves, c'est sûr. Sinon, Oui! en tournant la tige sur la tige de la fleur sur la tige ronde en métal. Quand si tu fais de l'entretien, ben, Ça aide. c'est qui va bon. Un autre genre d'hibiscus. OK. Ça aussi, c'est une hydrangée. Non, Nice. l'hydrangée, OK. c'est un hibiscus rose. Oh, ça a beaucoup d'hibiscus. Oui. Il semble qu'ils se répètent les mêmes plantes que ça pour voir la séance. Ça ici, c'est Mon père, il voulait m'aider pour la vidéo, fait qu'il a fait une liste des noms de la fleur. Un delphinium, mais par contre avec la Ça pluie sent bon? puis les vents, non. Quand même. Mais parce que Pas pire. ces fleurs-là, ça attire les insectes qui vont. Hey, ça sent comme un petit peu comme l'anis. Ça, c'est un hibiscus que j'ai acheté. Tu étais avec moi à l'île du Prince-Édouard. Wow. OK, ça fait quand même une dizaine d'années, là. Ouais. Ça a commencé avec une tige, puis t'en as une dizaine. T'as pas fini ici, monsieur? Le jardin? Ouais. Les carottes? OK. Ça, tu as une idée quand ça va venir? Comment tu regardes la plante de carotte ici? Comment tu la regardes et tu te dis, garde, c'est prêt. Il me reste une couple de semaines. Comment tu vas savoir que c'est prêt? Non, non, c'est ça. Tu peux garder ça jusqu'à l'automne. Elle va être juste encore plus grosse. Oh. Ça ici, c'est. J'ai du céleri. OK. J'ai du persil plat. OK. Persil plat, j'ai. Ici, c'est du kale. Ouh. Du chou kale. Hey, ça grandit, c'est fou, là. Ça, ici, c'est du basilic pourpre. Puis ça, on se rappelle que ça fait juste 2 semaines qu'on a vu ça, là. Ça fait 2 semaines, ça Ah, fait 3 semaines? ça a poussé. En mauvaise herbe. La salade ici. La boîte de jardin que mon père a C'est faite au fou. complet. Regardez-moi ça, comment c'est beau travail. Un dernier mot pour ton jardin? Ah, la saison commence. J'aime ça. Hey, ça c'est